Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Sixième album, tu veux sortir en indé? Pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu... Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Le Vercors Music Festival, c'est en ce moment et c'est jusqu'au 7 juillet. Pour sa 5e édition, un programme varié entre artistes de renom et talents émergents. Au menu, chansons françaises et internationales samedi. Ne manquez pas notamment Grand Corps Malade à 21h. Quand tu veux avoir de la classe, mais que tu fais... Belledonne est en cirque ce week-end et pour la 3e édition, le festival propose de découvrir l'univers du cirque au plus grand nombre. Au programme, des ateliers d'initiation, des spectacles de clowns, de jonglage, des concerts et des animations. Depuis son passage par la Nouvelle Star en 2016, la grenobloise Julie Bally a fait un bout de chemin. Retrouvez-la samedi à 18h à Autran pour un show rock introspectif et plein d'émotions. Ça y est, c'est parti, c'est l'été au parc et c'est jusqu'au 25 août au parc Paul Mistral. C'est plus de 500 activités gratuites, sportives, culturelles, scientifiques, ludiques, de détente ou de création. Et c'est pour tous les âges, explication. Dès le lendemain de l'arrêt des cours, l'été au parc s'ouvre et jusqu'à la rentrée, avec des propositions faites par beaucoup d'associations qui sont partenaires de l'été au parc. Ça va de la danse western au yoga du rire, en passant par des jeux d'échecs, des temps de détente avec des chaises longues à l'ombre. Et aussi cette année, un travail particulier sur le renouvellement des jeux d'eau qui sont vraiment appréciés par les enfants, mais cette année aussi des brumisateurs pour les adultes. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.